L'Église catholique veut prendre ses problèmes à bras le corps. La conférence des évêques de France a annoncé une série de mesures pour prévenir des agressions sexuelles. Lieux d'écoute et d'accueil destinés aux victimes de pédophilie, site internet pour les orienter. Il s'agit aussi de mieux évaluer ces dérives, avec la mise en place d'une commission indépendante externe. C'est là qu'il nous a semblé important d'avoir cette commission d'expertise extérieure à nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous avons avec nos prêtres une relation qui dépasse la relation d'un patron à un salarié, elle n'est pas de cet ordre. Nous avons une relation qui crée une proximité avec les prêtres. Et cette proximité peut ne pas nous rendre service à certains moments. Archevêque de Lyon depuis 2002, le cardinal Philippe Barbarin est au cœur de certaines des affaires ayant ébranlé l'Église. Il est accusé de non-dénonciation d'agressions sexuelles commises notamment par un prêtre sur de jeunes scouts lyonnais entre 86 et 91. Savait-il ce qu'il se passait ? Il continue de nier avoir couvert des actes de pédophilie.